Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui la galette à la semoule cuite à la poêle appelée harsha. Elle se déguste avec du miel ou du fromage pour un petit déjeuner ou goûter. On va faire une version mini galette qui reste rapide et simple à réaliser. Pour réaliser cette recette, on va utiliser la semoule fine, donc que je commence par mettre dans un saladier. J'ajoute le sucre. J'ajoute également le sel, une demi-cuillère à café, ainsi que la levure chimique, un sachet. Je vais mélanger tous ces ingrédients secs avant d'ajouter le beurre fondu. Alors le beurre, on peut le remplacer par de l'huile végétale. Je mélange toujours pour avoir une pâte sablée. Une fois la pâte est bien sablée, à ce moment-là, il faudra rajouter le lait. Mélanger pour former une pâte qu'on va laisser reposer par la suite 10 minutes, le temps que la semoule absorbe le beurre et le lait. Après les 10 minutes, la pâte est plus facile à travailler. Je saupoudre un peu de semoule sur mon plan de travail pour pouvoir étaler la pâte à la main. À l'aide d'un cercle ou un bol, on va essayer de découper des petites galettes qu'on va mettre à cuire sur une poêle anti-adhésive sur feu moyen. Pour la cuisson, comptez 3 à 4 minutes de chaque côté et retournez les galettes à l'aide d'une spatule pour éviter qu'elles se cassent. Et voilà notre recette terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo. Si vous voulez retrouver la recette écrite, je vous invite à aller sur mafleurdoranger.com. Je vous dis bon appétit et à la prochaine.